Voilà, je viens d'aller chercher le sel. On va voir ce que ça donne, hein. Je pense que ça peut faire aussi. Pour faire des fonds, c'est pas mal, hein. Voilà, pas en mettre trop non plus, hein. J'oublie de le ramener dans la cuisine parce que... Voilà. Vous voyez, ça travaille déjà la couleur, hein. Voyez. Écoutez, je vais mettre sur pause et je vais le sécher avec la gun. Donc voilà, j'ai séché. Maintenant, je vais brosser ici le sel. Je n'en ai peut-être pas mis assez, mais bon. J'aime bien, j'aime pas mal, c'est pas mal ce petit effet là. Voilà, oh là, ça me fait un de ces bazars là. Ouh. Ça, j'ai un petit peu de mal avec la patouille, ça me fait trop de trop de cochonneries. Mais bon, après, c'est un bel effet, donc voilà, on nettoie, puis basta, on n'y pense plus. Donc voilà, gardez un peu, moi je trouve que ça rend super bien. Ça me rappelle quand je faisais de la peinture sur soie, on faisait des trucs comme ça avec le sel. Le sel fin et le gros sel, ça faisait des trucs comme... voilà, hein, c'est le même effet que ça. J'aime beaucoup. Ça, je trouve ça très bien. Donc voilà. Et puis, je me demande si je ne me suis pas trompée dans la vidéo. Et puis, j'ai fait... Donc voilà, on a les trois ici. Alors, avec l'eau. Effet aquarelle sans eau. Bon, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis j'espère que ma vidéo aura fonctionné parce que je me demande s'il n'y a pas encore un petit schmilblick. Bon, je vais visionner ça et puis ben, si ça va pas, ben, je recommencerai, c'est pas bien grave. Je vous fais des gros bisous, bye bye, ciao à tutti.